moment de sortir vos déguisements, les filles. L'opération meilleure soirée d'Halloween de tous les temps commence maintenant. D'abord, on va prendre ma vieille maison de poupée et la transformer en maison hantée. Ensuite, on va prendre plein de bonbons, décorer la maison de haut en bas. Et on va fabriquer une arche magique qui rapetisse et agrandit les gens qui passent au travers. Super petit! Tout ça grâce à ma commande vocale spéciale médaillon. Maison de poupée en taille normale, invité en taille réduite. On installe ça au fond du jardin, de façon à ce qu'aucun invité ne se rende compte qu'il est dans une maison de poupée. Et tada! Tous les élèves de l'école passent la meilleure soirée de leur vie. Et je prends ma place légitime de grande reine d'Halloween. Souveraine de la soirée et maîtresse suprême des frissons. Polly, tu t'es surpassée sur ce coup-là. Astronaute, princesse et... Hé, regarde-moi un peu ton déguisement. Waouh, c'est un sacré... déguisement. Je sais, génial, non? Tu sais en quoi elle est déguisée? Pas la moindre idée. Certains ne comprendront pas à qui je fais référence, mais au moins je ne suis pas déguisée en mon père. Excuse-moi, mais je suis déguisée en homme lézard qui contrôle le gouvernement. Et oui, je pensais me déguiser en alien zombie de Rôdeur de la peur 2, mais je me suis dit que c'était pas le genre de la fête. Pourquoi t'as dit ça? C'est pas vraiment une fête flippante, je me trompe? Non, d'un gobelin. Les invités sont censés arriver d'ici, maintenant. Wow, ils sont ponctuels, les élèves de notre classe. Bonjour à tous et bienvenue à la meilleure soirée d'Halloween de tous les temps. C'est derrière l'arche. Oh, t'as vu ça? Il y a même une poule à chasser. La déco est géniale, j'adore. À tout de suite. T'en fais pas, c'est pas grave que ça fasse pas peur. Ça va être sympa. Super petit. Que ça ne fasse pas peur. Ça y est, tout le monde est rentré, on peut les rejoindre maintenant. Red Pocket. Oh, salut Bella, c'est par ici. Bella Bygovski, je peux savoir ce que tu fais ici? J'ai été invitée, je te signale, la top modèle. Même si Pocket avait dit que ce serait une maison hantée, pas... un rideau bizarre. Tous les invités sont les bienvenus chez la reine d'Halloween. C'est par ici. Super petit. Qu'est-ce que cette tricheuse de Bella Bygovski fait ici? Techniquement, c'est le règlement. Si tu distribues des invitations dans l'enceinte de l'école, tu es censé inviter tout le monde. Je n'arrive pas à croire qu'elle soit venue. Tactique classique de tyran. Ils font semblant d'être innocents, mais ensuite, ils t'assomment en te servant une grosse portion de plat trop gras. Oh, elle mijote quelque chose. Mais ne t'inquiète pas, Polly, je suis sur le coup. Super petit. Peut-être que les choses vont s'arranger d'elles-mêmes. Étant donné que Bella a critiqué Lila toute l'année et qu'elle a triché pour la battre pendant les sélections de Karaboom, je dirais qu'il y a 0% de chance pour que les choses s'arrangent d'elles-mêmes. Pas faux. On les surveillera de près. Super petit. Qui veut des bonbons? Ah, moi, des bonbons, des bonbons. Des bonbons ou un sort? En tant qu'homme, je veux dire en tant que lézard du peuple, comment se passe la fête? Ah, super! Enfin, rien à voir avec celle où j'étais l'an dernier. J'avais jamais entendu autant de gens hurler. Ah, ça c'était une fête flippante. Bref, je vais pas en faire un fromage, mais je vais quand même aller manger du gruyère. Ah, Nicolas, je vais te montrer que je sais faire peur aux gens. Ce soir, je serai la reine des hurlements. Comment va la reine de la fête? Oh, ça va. Tu peux me remplacer, il faut que je fasse peur à Nicolas. Hey, Polly, cette fête est vraiment... Merci, j'aimerais bien discuter, mais il faut que j'aille faire peur à quelqu'un. Ah, Polly, tu vois ce que je vois? Bella, elle ne fait rien du tout. Ça fait partie de son plan. Elle est déguisée en Flash Macintosh, ma joueuse préférée de hockey. Elle a fait ça exprès pour m'énerver, la maligne. J'ai l'impression que tu gères, alors je vais y aller. Il faut que je prouve à Nicolas que ma fête est aussi flippante que celle à laquelle il a été l'année dernière. Mais comment? Oh, ça arrivera au moment où elle l'attendra le moins. Quelque chose de dramatique. Oui, dramatique. Je peux faire dans le drame. Tu peux garder un œil sur la fête? Oui, absolument. Les deux yeux comme un faucon. Toujours en état d'alerte. Super grande! Effrayant. Effrayant. Qu'est-ce qui est effrayant? Toi, par exemple? Oh, elle est trop bien faite, cette animatronique. Oh, trop petite. Trop grande. Juste ce qu'il faut. Tu vas être le clou du spectacle, monsieur l'écureuil. Où est Polly? Je suis la seule à réapprovisionner les invités en bonbons ou je rêve? Lila, tout le monde se demande où est Polly. Et les gâteaux? Est-ce que tu l'as vue? Ah oui, elle est partie. Hein?
Et quoi? Cible en mouvement, mission de la plus haute importance. Elle m'en a donné la responsabilité. Oh, pourquoi je suis la seule à devoir... Il serait mieux d'aller voir ce que c'est.